Eh bien, salut tout le monde, c'est Sarko. Et aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Ok, c'est la troisième, on s'en balance. Si le jour tu vois cette vidéo, désolé, mais il faut que je fasse quelque chose parce que je veux m'amuser. Alors, je suis toujours avec Léane. Dis salut. Hello. Ouais, à l'anglaise. Yeah. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez vous dire, putain, mais c'est quoi? Désolé. Bon. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez voir ça? Non, non. attends, fais-le. Oui. Êtes-vous sûr? T'es sûr? Enfin, oui. Je peux plus. Attends, désolé. Voilà. Ok. Fais un roche papier ciseaux. Ok. Roche papier ciseaux. Ok, t'as gagné, je vous demande. On y va doucement. Ok? Oui. On commence par quoi? Ce qu'on a derrière? Oui. Non, ici, ça c'est cher. On va commencer. Alors voilà. Je vous montre ma grande collection de Pokémon. Bon, vous dire, il y a des figurines comme qui ont encore du crayon de couleur vu qu'ils sont vieilles. Est-ce qu'il fait encore du bruit? Non. Lui? Ah, lui fait du bruit. Puis on a un vieux Dracaufeu que quand on lui tire la queue. Voilà, on a aussi le Mewtwo. Oh, désolé. Ah. On a aussi le Brasgali. Et le Deoxys. Voilà. Alors, Léane, connais-tu un peu les Pokémon, toi? Oui. Bon, juste parce que je joue à Pokémon Go. On a aussi un petit truc, voilà, comme ça. Aussi des petits posters pour, voilà, l'école. Ma première display que j'ai ouverte. Ah là là. Et c'est ça, là. Quelques petits posters, voilà. Ok, ici j'ai un peu de Five Nights at Freddy, donc Springtrap, Bonnie. Comment ça s'appelle? Ah, oh, c'est vrai, toutes les connais. Un petit Tyranitar, je pense, son nom en anglais. Puis un petit Salamèche. Voilà, des figurines. Je vais vous dire que ces petites figurines-là, c'est les premières. Ils sont hyper chers. L'électrode ici, je pense qu'ils vont jusqu'à 80$. Édition 1. Non, pas édition 1, je veux dire gravé bien. Ah. Il a fait du bruit. Pikachu. Pikachu. C'est parce qu'il fait de rame. Ok, bon. J'ai mon Aquali Shiny. Qui se vend aussi cher. Un petit Arco contre. Oui, mon Varan, on est allé en Virginie. Ici d'autres cartes, donc je vais vous dire, c'est trop ici, c'est toutes des éditions 1, donc ils se vendent super cher. Mon toutou Blobfish que vous voyez rose, puis mon petit masque aimant, puis Politoid. Bon, ici on embarque, voilà, donc des grandes figurines, voilà. On va vraiment pas toutes vous les nommer. Ouais, non, mais tu sais, c'est long. Des boosters, mais qui sont pas édition 1, donc on en a quelques-uns. Voilà, une petite bannière. Une petite peluche Mewtwo avec Mew, je veux dire, et Jirachi. Une valise Pokémon qui a encore des figurines. Quelques cartes un peu édition 1 et non édition 1. Mes dinosaures, donc voilà. Donc, le petit Spinosaur, nice. Je vous le présente parce que c'est mon préféré. Puis, un aussi Godzilla. Voilà, qui tient un pteranodon. Un petit Mew, un autre petit Mew, un autre dinosaure, je vais pas le nommer parce que sinon on n'a pas le temps de niaiser. Un petit Pikachu, ah, il y a un nez défoncé, ouais, voilà, donc d'autres éditions 1 PSA, donc qui sont cotées 9-10, donc la carte est parfaite, les barres jaunes sont égaux. Des petits, voilà, dinosaures, Rayquaza, ouais, Virginie. Des petits, la famille Amphinobi. Un Gavial. Une petite peluche de Freddy. Un petit Tipou, Tiplouf. Ici, nous avons, voilà, quelques cartes édition 1 et non édition 1. La Charizard, ici, que j'ai eu dans ma display. Pas le Y, le bleu, c'est le X.
Voilà, une secrète que j'ai eue, un booster, oui, la chance. Master Ball, des vieilles cartes. Je vais vous dire, celle-là, la noire ici, vaut PSA 10 jusqu'à 2000$. Ben, nous, elle est édition 1, mais pas PSA, donc quasiment. Mon père, il l'a payé jusqu'à 600$. Eh oui. Voilà, donc ici, d'autres petites cartes chères, bien évidemment. Eux qui sont dans les. Genre, dans ça, les petits. Je veux dire casing, mais bon, c'est pas des casing. Ils sont chers. Voilà, un petit gecko léopard pour le fun. Un médecin. Puis, mon post-it gadi là. Donc, ça, c'est ma chambre. Elle est grosse, hein? Ben, elle grosse. Il y a beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de Pikachu. Mon creeper! Oh, il fait encore du bruit, nice! Je m'en rappelle que tu l'avais amené quelque part. Ah ouais? Ouais, la fête de grand-maman. Dans un hôtel, il y a un année, on avait niaisé avec l'ascenseur. Je m'en souviens même plus, moi. Moi, oui, parce qu'on faisait un coucou aux gens qui descendaient de l'ascenseur. Oh, oui, oui, oui! On était comme bonjour! 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 Ah, oh, aussi, je vais vous montrer mes petites affaires. Voilà, j'ai acheté hier le jeu Zelda Majora's Mask. Je suis en train de jouer Pokémon 55$. Voilà, mes jeux Pokémon. Voilà, j'en ai quelques anciens. Jeu Mario. Pas Roublard, je veux dire Jurassic World. Non, je n'enfonce pas. Et voilà ma 3DS XL. C'est quel jeu? Ouais, non, attends, je vais. Voilà. Magnifique. avec le poster Dracofeu Y. Mega Rayquaza. C'est vrai que ce soit pas Mega Rayquaza et Dracofeu X. Je sais pas t'es qui. Ouais. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma collection. Attends, je vois ton t-shirt. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette grande et magnifique collection hein, qui vaut assez cher. Oh, j'ai oublié le porte-clés. Le beau porte-clés. J'ai oublié les bananes. Ok. Bon, ça va être tout pour cette vidéo. On vous dit ciao. Bye.